Relaxation et récupération. L'instant où on se remet de près de 2 heures de jokan intensif. Quand les battements endiablés des tambours s'apaisent, le corps secoué, dénoué, se pose enfin et se prend à envisager une nuit reposante et passe au crible les bienfaits de la discipline. Aujourd'hui, le jokan, c'est ma vie. Ça m'apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça me met en paix avec mon entourage, avec mon environnement, et ça, c'est important. Ça m'apporte du bien-être, de la persévérance, de la combativité, en fait. J'en ai fait pour... Moi, personnellement, j'en fais pour me discipliner. Et ça m'apporte, en fait, de la discipline, du bien-être, principalement. Je connaissais pas du tout, j'en avais entendu parler, mais c'est tout, et voilà. Mais je trouve que c'était vraiment bien, un peu physique. Mais on a tenu le coup et c'était super bien. Car tout en vous en redemande. Qui s'y frotte s'y pique immanquablement. L'idée de ces stages ouverts à tous, quel que soit l'âge, c'est de goûter et d'apprécier un produit 100% Guyane. L'objectif est... de sensibiliser toute personne, je dirais, à son potentiel. C'est vrai qu'on manque d'estime de soi, de confiance en soi, et le jokan contribue, je dirais, à apporter ceci, à permettre à hommes, femmes, enfants de se retrouver, et je dirais même d'exploiter son potentiel. Faire du jokan, ce n'est pas simplement bouger, faire du jokan, c'est exister, c'est vivre pleinement son expérience. Je crois que jokan, ce qui signifie être en éveil, c'est ça. Prendre conscience qu'on a du potentiel, prendre conscience qu'on est et qu'on peut réaliser ce qu'on veut. Le jokan, ce sont ses variantes rythmiques. Des rythmes dont vous pourrez apprécier la splendeur sur scène samedi à 20h à l'Ancre. Le spectacle de fin de la 3e édition du Jokana Konde sur la thématique cette année des racines, Rakaba. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.